Hey, c'est une grosse journée. Ça fait longtemps que j'attends ça. Ça fait 2 mois et demi. J'ai aidé ça from you guys. Tu sais, Nala, le petit chien blanc, je sais pas si vous avez vu les vidéos précédentes dans lesquelles j'étais avec Nala. La propriétaire Nala est allée au Mexique. La propriétaire. C'est pas ça? La maître. La maman Nala est allée au Mexique en décembre, je pense. Elle est tombée en amour avec une chatte errante. Une petite chatte qui se promenait dans les rues du Mexique, tout ça. Et a décidé de commencer à hang out avec la chatte, à l'amener dans sa chambre d'hôtel. Elle est tombée en amour avec. Elle l'a fait analyser là, par un vétérinaire pour la ramener au Québec. Turns out que la chatte est enceinte et ben il y a eu des bébés qui ont sorti de son ventre. Donc, on a décidé d'adopter un bébé chat qui a 2-3 mois, là, présentement 3 mois environ. Et là, Caro s'en vient nous porter. Elle va avoir plusieurs noms. On a pensé, parce que là, on voulait un nom mexicain vu que c'est une chatte Mexico. On avait pensé à l'appeler Selena. Selena, ça fait un peu mexicain, mais je trouve que ça fait trop Selena Gomez. Fait que moi, j'avais pensé, je trouvais ça G Sombrero, mais c'est trop petit gars. Fait que moi, je pense que je vais opter pour Sombrera. Moi, je l'appelle Minette. Minette. Romy va l'appeler Minette, moi je vais l'appeler Sombrera. Elle est tellement belle là, j'ai tellement... C'est une chatte d'Espagne. Ah, c'est une chatte d'Espagne, à 3 couleurs. Alors, on l'attend là, Caro arrive d'une minute à l'autre. Je l'ai pas vu encore, j'ai juste vu plein de Snapchat. J'ai plus de bronzage, hein. By the way, c'est finito cette histoire-là. J'étais bronzé comme un cheval, je suis rendu comme un bœuf. Ah non, faut que je retourne, je me book à Cabo. Là. Claudel, j'arrive là. Alex! Bon, on attend Sombrera. Là. J'étais excité. Oh my god! A chier dans le sac? Ben, je pense que oui, là. En tout cas, ça a pas chier. Elle a fait un gros pet. Selena, tu te notes. Oh my god. Oh ma pinotte. Ma pinotte. Mon petit bébé pinotte. Bienvenue à la maison. Oh my god, Caro. Mon bébé. T'es chez toi ici. Oui. Oh my god. Oui, oui. Oh, c'est correct qu'elle se cache là. Oui. Oh my god. Oh là, elle a tout, on a tout préparé. Litière, oui. Bouffe, eau, tout ça. Peut-être qu'on la laisse tranquille. Oui, ma petite pinotte. Ton petit ami encore un bébé. Moi, je peux comme pas trop. Pinotte. Oh my god. Oh my god. C'est un bibi. Je suis tellement content, là. Oh non, mais ça faisait tellement longtemps, là. Là, elle a quoi, 2 mois et demi? 2 mois et 1 semaine. Deux mois et 1 semaine? Ben, elle est super gentille. Gentille. Va explorer. Vas-y. Explore la maison. Il y a plein de choses pour toi. Elle est tellement belle. T'es trop mignonne. Ah, pas l'allure. Tu vas être Et en plus, t'as tout un divan pour faire tes griffes, hein? Regarde-moi ça, tout ça! Hey, mon beau divan neuf, toi! Bon, là, ça fait une grosse 2 heures, 1 heure et demie, que Sombrera est couchée en dessous du divan, puis qu'elle, elle veut pas sortir. Elle a miaulé un petit peu, ça me brise le cœur. Je viens à toutes les 10 minutes, j'essaie de dire Sombrera, viens, t'as. Puis là, je gratte un peu. Elle est en dessous du divan, tout ça. T'as donc, petite poule! Il est temps de trouver mon petit bébé. Oh, ça joue, hein? Oh, ça, c'est joueur, hein? On va l'avoir avec les petites affaires, c'est ingénieux. Avec moi, c'est tout avec des lacets, je réglise. Oh oui, elle joue. Oh oui! Allez! Bonjour! Hop! Oh, hop! Elle vient! Elle a le goût, là! Elle a vraiment le goût de jouer! Oui, elle a trouvé sa petite bouffe, là. Oh, c'est donc bien fun. Ça me rend tellement ému. Bon, ben, je sais pas combien ça va prendre 2 jours. Elle dit que les autres chats de ses frères et sœurs, ça a pris comme 2 jours. Mais je pense qu'il faut y aller à son rythme. Moi, je pense qu'il faut pas la presser, la prendre, tout ça. Elle va se dégêner, elle va voir qu'on n'est pas méchant. Puis vous me direz en commentaire c'est quoi, si vous avez des trucs au début pour mettre les chats. Tu sais, moi j'aimerais ça que ça devienne une chatte que tu peux. Je comprends, ils ont toutes un peu leur personnalité, là. Mais tu sais, un chat que tu peux mettre sur toi, puis doux, si t'es doux, là. Tu sais, un chat fin. Moi, je pense qu'elle va être. Un mix des deux, un petit. Un mix de sauvage. Et ouais. Un genre de petit garnement, mais en même temps qui veut être colleuse des fois, tu sais. T'avais faim, Colin, c'est beau que tu nous le dises quand t'as faim comme ça. Wow! C'était la plus grosse de la gang, hein? Ouais. Wow! Trop bien! Tu veux faire caca, c'est là que ça se passe! Wow!
jumper. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'on monte la litière au chat, mais... Putain, t'as trouvé ta cachette de rêve, toi! Elle est en phase qu'elle trouve tout ce qui est juste assez haut pour qu'elle puisse se blottir sous les installations. Le seul spot que t'avais pas d'affaire à aller, c'est dans ce coin-là de fil. Allez-y! Tu sors de là tout de suite! Quand je fous, je commence à faire de la discipline. Ça fait 3 heures qu'est-ce que tu cites. T'as donc bien les moustaches! J'ai jamais vu autant de moustaches de toute ma vie. Il y en a comme 1 milliard. Moi, là, ça, j'aimerais ça que tu deviennes gratteuse de ventre. On vient qu'on peut te gratter le ventre, puis tout. Faire un beau gratte ventre. On va te réessayer. Prête? Whoop! Zwip sur le ventre, puis là, on gratouille le ventre. Non, ok. Bon, ça marche pas, là. Mais au moins, je veux te montrer que c'est quelque chose de nice, tu comprends? À un moment donné, moi, ça va me faire plaisir de te gratouiller le ventre, tu comprends? T'es une bonne griffe, par exemple, hein? Bon matin, jour 2. Cette nuit était le miaulé. Toute la nuit complète, j'ai lu que c'est normal parce que je la comprends. Elle s'est éloignée de sa maman, elle essaie de trouver sa maman, puis tout, petit cœur. Mais on dirait que c'est comme un plus l'instinct animal qui embarque parce que quand je la prends, quand je la colle, elle est adore. Comme un bébé, je vous mets un extrait là. À un moment donné, j'ai filmé, ça avait pas de bon sens comment est-ce qu'elle était bien. Hey, check ça. Et là, ben, elle s'amuse, là, ta planche. C'est juste qu'elle sort pas du salon. Elle a vraiment apprivoisé le salon. Elle joue, j'ai genre arrangé un lacet. Ses griffes vont probablement tout scraper mon divan, mais bon, c'est ok, je vais y couper les griffes avec un genre de cigare. Ça me veux-tu pas? Peut-être y mettre des cache-griffes aussi, je sais pas. Je sais pas comment ça marche, mais à chier sur mon t-shirt, à chier sur ma couverte qui était juste là aussi. Mais à date, elle sort pas d'ici. J'aimerais ça qu'elle explore un petit peu aujourd'hui. Elle vient de sauter de là. Ah là, mais là on a de la bouffe. On va manger tes croquettes à toi. Ta place c'est au sofa, toi. Ici. Je suis en train de la caractériser tranquillement là. C'est un peu comme mon chum qui a su, il y a Joe là, vraiment semblable. Et j'ai l'impression que ce chat là avec un pointeur laser, c'est une folerie. On l'a fait à monte sur le chandelier là, c'est même pas les forces. Ah là, yes, parce que j'ai mis le top aussi de son truc, puis c'est la première fois. Elle est bien bonne! Pour vrai là, 36 heures qu'on l'a. Elle miaule un peu encore, mais une grosse amélioration, je la trouve bonne, puis tout, elle est en train de chier sa race. Une chose est sûre, c'est qu'elle a besoin de toujours avoir quelqu'un ou des gens proches d'elle, présentement. C'est là qu'elle en est. Elle en est à a été coupée de sa mère hier, et on lui donne du love. Update peut-être ce soir, sinon demain pour la finale. Merci d'être là, tout le monde. Vous êtes très, très appréciés, toutes et chacun. On a peut-être décidé d'ajouter le nom Zigzag dans son pseudonyme. On est toujours 3. Beaucoup moins de jappements cette nuit. J'ai encore une fois dormi sur le divan. Mes beaux divans à 2700$ de meubles RD sont en train de se faire décalfeutrer bord en bord. J'attends les plastiques. J'attends les coupe-griffes. J'attends la petite tente. J'attends quoi déjà en plus? Oh, t'es en train de jouer avec les pattes à papou, à maman. C'est vraiment une joueuse, là. C'est une pure net joueuse. C'est une mordilleuse. Mais c'est un bébé. Puis là, je trouve qu'elle est déjà en train de s'acclimater. Fait que je vais attendre de recevoir ses coupes-griffes. On va essayer de couper les griffes. Puis on va terminer ça là-dessus. Les cartes, les livres, les plantes. Elle est en plante. La plante, là, il y a plein de feuilles à terre. La plante, là, elle va se coucher dans le tamis de la plante, là. Non, non, regarde, c'est vraiment... Ah, Sombré, je suis avec Sombré. J'ai reçu toutes tes babelles. J'ai reçu probablement une tente puis des dégriffeurs, d'accord? Wow! Faut pas tomber comme ça. C'est les cadeaux du mardi de Pâques. C'est quoi ça? Ça fait du bruit, ça fait des crac-crocs, hein? Hey, ça c'est ta petite tente spéciale à toi. Bébé! Je l'ai eu avec mes dents. Sombro! Regarde, c'est quoi? C'était plus beau, hein? C'était plus beau sur Amazon, hein? Et tu rentres dedans? Hop! Hein? Wow! Ça, c'est bon, ça! Hey! Regarde-moi ça, la belle tante! Oh, ça, là, c'est trop satisfaisant parce que je pense qu'elle aime ça déjà. Ouais, elle a l'air d'aimer. Et ta poule? Ouais, c'est coupé tes griffes un peu. Ils sont très, très longs. Non, faut que tu restes douce. Faut rester doux pour les griffes, OK? Je sais que c'est plate, là. Mais ça va faire vraiment bien, là. Pour les 5 minutes, ça va prendre 5 minutes. Après ça, c'est fini, bébé. Hey! Mais je fais ça pour ton bien, pour le risque. Oh, pour le bien de tout le monde, surtout mon divan. Oh, oh! Putain! Hey, je pense qu'il couper ses griffes, ça va être tout un aria, hein? On fait juste s'installer. On sort la griffe. Non, tu veux pas? Comment vous faites pour couper les griffes de vos chats? Comment ça marche? Les chats sont habitués. Y en a-tu qui aiment ça? Bon, ben, je sais pas si je vais réussir à couper ses griffes. Je vais travailler là-dessus. Je vais vous dire merci. Ah!
d'avoir été présent pour cette vidéo un peu random de l'adoption de Zigzag. Pas été trop actif cette semaine comparé à comment on était en Floride, mais c'est normal, je pense, parce que j'ai pris le temps de revenir, puis tout ça, puis j'avais d'autres trucs aussi personnels. Alors, je vous invite à drop le petit like, drop le petit commentaire, parlez-moi de vos animaux de compagnie, donnez-moi des tricks, je veux dresser Zigzag, donner la patte, faire plein de petites choses avec, fait expliquez-moi comment. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Vas-y, you out. Oh, bon, je vais ouvrir la porte, puis elle sort pas. Fait que mettez-vous bien et on se voit dans quelques jours. Life is good. Ciao. When you wake up in the evening, and I've left an empty space. Will you remember how you're feeling? 'Cause I felt like that for days. And if you ever get the feeling, you're gonna fade away. I could be there behind you to pick pieces up too late. T'es en finis, ta lune d'une fontaine est déjà en train de boire dedans. Et boire ton nom. Oh, je suis trop fière. Oh my god. Mais là, la fin, Romy, c'est qu'elle a plus de fun avec le fil qu'avec la fontaine, là.